c'est lui. Ouais, salut tout le monde. Salut tout le monde, ici Gaylord, Gay Pride avec mon ami Lestidic. Ami. Ami. Donc on a Hypnox contre Mantic. Donc Rosalina contre Mard, je crois, je sais plus. Ah non, Bazar Junior. Donc Mantic, c'est la première fois que je le vois jouer, je crois. Puis Hypnox, j'ai joué contre dans les poules tantôt et c'est un assez bon joueur de Rosalina. Ouais. Reste à voir comment il va jouer contre Bazar Junior. Il pourra pas utiliser je crois. Il peut pas utiliser son down B pour prendre ses projectiles, vu que c'est des gros projectiles physiques. Mais je suis pas le plus grand spécialiste de Rosalina. Ouais, en fait. On va voir ces deux match-up qui est assez très rare ici en fait. Ouais. Puis Rosalina, c'est quand même, si on le connaît pas le match-up, ça peut être difficile. Ouais, très difficile. L'humain, il peut se camoufler, il peut nous up smash sans qu'on s'en rende compte. Ouais, en fait, d'habitude, la stratégie contre Rosalina et Luma, c'est de se séparer le plus rapidement possible de Luma. Là, ils ont changé de côté. On va voir si Mantic va utiliser cette stratégie-là, va utiliser la sienne. Ouais, effectivement, avec son down B, il peut peut-être forcer les deux personnages à se tasser un de l'autre. On va voir s'il est capable d'utiliser à bon escient. Pour l'instant, ils sont en train de... se demander comment on fait pour bannir. Ouais, donc on voit qu'ils sont un peu plaids. Pas grave, et on est habitués. On est habitués. C'est ça que ça fait, hein, round 1. Donc, il y a un personnage qui va être assez campy comme Bowser Junior, mais qu'on peut quand même jouer agressif. Et une Rosalina qui... Même chose. Final Destination, ça promet, donc ça va être une guerre de projectiles, c'est sûr et certain. Je crois que c'est une assez bonne map pour les deux personnages, donc on va voir. Ouais, sinon ça serait fini sur une autre map, c'est sûr. Les personnages qui ont besoin de plateforme, bon, vu qu'on a chacun deux bans, c'est pas mal sûr qu'ils ban Final. Donc un beau combo de jab avec de la part de Luma. Luma. Non, c'est pas utile, c'est... Qu'est-ce que je fais, c'est moi, ça. Hypnox, en fait. Donc, on voit que Hypnox va avec des beaux combos. Mais c'est quand même even. Oui. C'est pas juste les combos qui comptent. Évidemment, les coups de Bowser Junior font en général assez mal parce qu'ils durent vraiment longtemps. On voit vraiment qu'il y a un beau spacing à la part des deux joueurs. On n'oublie pas non plus que Rosalina, c'est un des pires champions cancer de ce jeu de marbre-là. Dis le joueur de Yasuo, il peut retourner ailleurs. Ça continue de travailler. Double jump de la part de Mantic avec un back air. Ouais, c'est assez risqué parce que quand on n'a pas de double jump, puis Rosalina commence à nous combo, bonne chance pour sortir, mais ça tue déjà. Avec un bon smash. C'est dur de réagir à ça pète les shields, fait que quand on est dedans, il n'y a pas grand chose à faire. Donc Mantic a essayé d'approcher pour la coupe du pourcentage, mais ça n'a pas marché. Ah, oh, ouais. Là, ça marchait un beau 20%, petit combo. 25%. Le marteau. Ça l'a bien très bien monté pour ça. Combo. Ouais. Avec une belle essai de la Mantic. Oh, Rosalina quand même double coup donc avec le smash. Je crois qu'il avait essayé de rire d'un air dodge. Ouais, mais finalement il n'y a juste pas eu de tech. Finalement il est mort. Oh, le pas de tech encore, en parlant de pas de tech. Oh, welcome to No Tech City. No Tech City. We don't tech dose. And Hypnox qui perd le premier set. Ça continue. Est-ce que Hypnox va garder Rosalina? Oui. Probablement. On va voir quel match. Les deux personnages, je crois qu'ils vont. Les deux joueurs vont garder leur personnage, quoi. Ouais, je sais pas du tout ce que Hypnox va choisir comme map. C'est quand même assez serré. Dokkan Mélène Bani a l'air déçu. Yeah, il dit lui-même, il est déçu. Ok, tu sais, la partie était quand même assez égale si on oublie le tech raté. Les deux joueurs ont quand même manqué un tech, les deux, ça leur a fait perdre une vie. Ouais, mais. On peut pas toujours les réussir. Battlefield, donc là on va voir est-ce que le jeu va être différent. Probablement pas. Si Bowser Jr. avait joué Kempi, j'aurais dit que ça aurait été une autre partie, mais Bowser Jr. il allait in tout le long. Donc sur Battlefield, ça changera pas grand chose pour ça. Peut-être même qu'il peut pas extend ses combos. Bon, ici, il se focus un peu trop sur Luma. Des fois c'est tentant de séparer Rosalina, sauf que elle peut nous frapper quand on attaque la petite étoile sans défense. Donc on voit vraiment que Hypnox il va avec un beau set de combos, 32%. Ouais, toujours des petits tap combos aussi. Efficace. On voit vraiment qu'il utilise vraiment Luma d'une bonne façon. Ouais, sauf que à l'inverse quand même, Mantic est assez bon pour sortir des zones de danger. Il va jamais au-dessus ou en bas de Rosalina quand elle est dans les airs. Ouais, c'est... Alors déjà là, il y a un forward smash qui touche.
quand même assez dans le neutral game, ce qui est tout assez spécial, mais ça arrive. Donc Mantic qui réussit à enlever Bulma, on va voir s'il va pouvoir enlever, faire un petit avantage avec ça. Ouais, oh, ça commence bien en tout cas. Bon, marteau. Oh, le neutral game qui est rare. Mantic qui essaye encore d'y aller avec le stage spike. Cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Ça peut pas marcher à chaque fois, mais ça en prend juste une pour que ça vaille la peine. Ouais. Si il fait un smash complètement read le rôle, c'est quand même le troisième de suite. C'est un peu normal de read. Un beau grab de la part de... C'est un beau punish. Ouais. Pas trop extend par contre. Mantic a réussi à s'en sauver relativement bien. Ouais, mais... C'est 23%, mais c'est... Dans l'ordre des choses, c'est pas si énorme. On voit beaucoup de choses qui touchent dans... C'est pas optimisé. Non. Beaucoup de choses qui touchent dans le neutral game sont quand même assez rares. On voit les side B Bowser Jr. qui touchent. On voit des beaux blades. Et les suicides de la part des Unox qui vont finir le set. Non, c'est pas encore fini. Pas encore fini, désolé. Quand c'est pas en dehors, c'est pas fini. Donc 50% quand même d'avance, c'est pas rien. Oh, un beau 70% d'avance. Ouais. Ça continue d'augmenter. On voit vraiment que la pression de Luma et le stage pressure marche à son avantage. Ouais, mais même, c'est rare qu'il laisse Luma très loin, il fait pas trop de pièges avec, il l'utilise de façon assez évidente. Il garde Luma auprès de lui, mais c'est pas une mauvaise chose, ça permet de le protéger. On voit vraiment qu'il cherche vraiment à garder son stage control. Ouais. C'est deux personnages assez campy, donc avoir le stage control, c'est très important. Ouais, ça faisait un bon moment que Mantic était dans l'extérieur du stage, et que Hypnox pouvait se cacher au milieu. C'était un beau upside, mais ça a pas été assez. Ça aurait pu être fatal. Ça a été fatal. Oh oui. Donc c'est 1-1, pas fini. Un beau edge game de la part des Hypnox, donc c'est 1-1. Quelle carte est-ce qu'on va voir? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va voir des changements de personnages? Je crois que Hypnox va garder sa Rosalina. Mantic, je ne le connais pas. Je ne connais pas s'il y a d'autres personnes. Il ne peut pas retourner sur Final Destination. Même s'il a bien gagné la première partie, il ne peut pas retourner dessus parce qu'il a gagné une partie. Donc ouais, il ne peut pas prendre un stage. Ça fait partie des règlements. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont battre. Il va probablement choisir un stage plus s'il garde Bowser Jr. Il a vu que ça a bien marché la première fois. Fait peut-être Tornet City ou Smashville. On voit vraiment avec Hypnox, il sait pas les règlements encore. Ça fait juste 15 fois qu'il vient faire le tournoi. Donc on va voir. Qu'est-ce... Moi j'ai entendu Smashville. Il a banni Smashville, je crois. C'est un joueur qui apprécie pas beaucoup la marque. Mais peut-être que. Ils sont allés dessus. Il a banni d'autres choses pires comme peut-être Albert. Donc Smashville qui est une map très neutrale, donc on va voir, ça ressemble un peu à Final Destination, donc Mantic va peut-être être capable de... Ouais, déjà il s'en sort bon, qui explose rapidement quand même. Je me demande aussi, Est-ce que c'est à cause du Stone B? On sait pas. Je pourrais pas dire. Parce qu'habituellement, le projectiste bomb là, il explose pas dans ses mains. Il explose en bout. Ok, moi j'ai un match à faire, donc on va se revoir plus tard. Au revoir mon Paul. Donc, on a Yomaniac qui va venir nous rejoindre. Donc, parle-nous de ton expérience dans ce match-up-là, Yomaniac. Mon expérience? Moi, je suis un main de Sonic, donc... C'est deux personnages que je déteste beaucoup jouer contre. C'est vraiment parce que... Coach Junior, il est capable d'avoir des projectiles, ouais, c'est juste un, c'est ça. Nous, il lance les mini-coupons, puis avec ça, il est capable aussi d'avoir son neutral deal. Puis Rosalina, tout le monde a des problèmes avec Rosalina. Ouais, c'est bon. Quand même, une bonne avance, un bon lead de Rosalina. Ouais, ça prend juste un smash, puis il a pris la première vie. C'est ça. Ou même un petit edge guard comme il a fait la dernière game. Mais c'est facile à dire aussi. Un smash, c'est dur à placer. Non, c'est dur à placer, mais ça il manque juste ça, puis il a la première vie. Ouais, c'est vrai. On va voir ce que Mantic peut faire pour expliquer à ça. Faut pas qu'il ait trop dit, parce que là, il va mourir. Ouais, Mantic, non, on voit qu'il est quand même assez bien. Il va plus safe que tantôt. C'est ça. C'est quand même Luma qui est mort, c'est pas rien. Oh, par exemple, aucun finish sur Recovery. Ça tue pas ça. Ah, quoi que Bowser est quand même. Baby Bowser est quand même personnel assez beau. Non, même pas encore. Le DI était correct, ça a pas fait. Ça va tuer. You don't come back. Le B de Mantic est pas si bon que ça. Avec Bowser Jr, il peut pas monter si loin. C'est pas comme Rosalina. Ouais, c'est sûr. Fait que comme j'ai dit tout à l'heure, les edge guards de Rosalina, ça fonctionne super bien contre Bowser Jr. C'est sûr. C'est ça que j'ai dit à l'heure. C'est vertical les mouvements. Ils sont Ouais, une fois qu'il a plus son jump, Rosalina, elle frappe une fois et c'est fini.
Ah, il faut, on voit qu'il se méfiait pas du mode du tout. Hey, non. Oh, c'est pas fini. Dieu, je l'ai. Okay, c'est bon. Je suis complètement certain que c'est fou. Je l'ai vu. Et OAB. OAB avec un soin. 40%, il n'y a rien d'impossible. Vraiment bon, mais c'est pas fini encore. Non, donc Rosalina qui a pris, qui a voulu prendre la petite bombe pour avoir son avantage, mais qui a un peu tiré de vite. Donc Mantic, il stack les pourcentages, ça va bien. C'est pratiquement égal encore une fois, donc rien perdu. Oui, effectivement, avec les poids des deux personnages. En ce moment, c'est 1-1. C'est 1-1, c'est la dernière partie. C'est la dernière partie. C'est stressant d'être dans le perdant s'en va dans Loser Bracket. Personne ne veut commencer un tournoi en Loser Bracket. Faut dire quand même que le gagnant va jouer contre Google. Le gagnant contre Google, bon. Oui, donc... Bonne chance à celui-là. Oui, bonne chance au gagnant. Mais déjà, on va commencer par voir ce set-là. L'important, c'est de gagner le premier set, sans... C'est une chance que le buzzer est lourd, parce que le smash de Rosalina, sérieusement... Ouais, en plus, le up smash, ça touche le bas de Bowser Junior, donc il est protégé. Ouais. Son armure réduit un petit peu les dégâts. Ah ouais, je suis même pas ça. Ouais, il prend plus de dégâts si on frappe sur la tête de Bowser Junior, puis moins son tour en full, on prend la petite voiture. C'est pas une grosse différence, je crois que c'est 0.8 puis 1.2. Quelque chose comme ça. Donc, mais bon, ça... Ici, il y a un autre smash à casser. Il pouvait pas se prendre un coup de plus. Non, c'est un... rendu à 150. Même si t'es lourd, tu pars fly. Ouais, c'était quand même un set vraiment égal. Donc, si on jouait... C'est la dernière game de la part de Knock. Ouais. Si on jouait le même set, on sait pas qui est-ce qui gagnerait. C'était vraiment serré. I'm out.